Alors, continuons. On est à 100% des ressources récupérées. Bien. Normalement, on a fait toutes les quêtes secondaires. Il n'y a plus rien qui clignote, sauf la citadelle, mais c'est normal. Rencontrer les diplomates. Enfin, les Krogan, Galarien, Turien. J'espère que tout va bien se passer. Rachète. Commandant, la Dalatras Galarienne et les chefs de clan Krogan sont prêts à monter à bord. Faites-les entrer dans la salle de conférence. Et priez pour qu'on évite une autre guerre. Mmh. Le Krogan est mal placé pour exiger quoi que ce soit. Le Krogan a un nom. Urnod Vrex. Et je ne suis pas un Varen enragé que vous pouvez siffler au moindre problème. J'ai d'autres chats à fouetter. Des moissonneurs ont débarqué sur Tuchanka. Et je devrais pleurer pour quelques Turiens en moins. N'essayez pas de faire traîner les négociations, Vrex. Je n'ai pas de temps à perdre. Dites-nous juste ce que vous voulez. Très bien, je vais vous le dire. Un remède au génophage. Ah ! Hors de question. Le génophage n'est pas négociable. Ah. La diplomatie. Pourquoi vous vous y opposez autant à la trace ? C'est nous qui avons édifié les Krogan, faites-nous confiance. Vous vous êtes servi de nous pour livrer une guerre à votre place ? Ce ne sont pas les Galariens, les Turiens ou les Azari qui ont vaincu les Rakhni. Si vous êtes là, c'est grâce au Krogan. Vous avez été utile, mais désormais ce n'est plus le cas. Le génophage était le seul moyen de réfréner vos pulsions. Dalatras, que vous le vouliez ou non, Vrex a raison. L'insulter n'y changera rien. Mais je ne fais qu'énoncer une vérité. Nous avons édifié les Krogan dans un seul but, qu'ils fassent la guerre. Ils n'en savent pas plus, car nous le voulions ainsi. Non mais aussi, pourquoi avoir fait ça? Votre peuple aurait dû réfléchir un peu plus alors. Vous pensiez vraiment que les Krogan ne se rebelleraient pas? C'est justement ce que je dis, commandant. Nous n'avons pas réfléchi. Les Krogan étaient notre dernier espoir. Et vous êtes sur le point de faire la même erreur. Guérir le génophage n'apportera rien de bien. Sachant qu'on a toujours des données par rapport à ça. D'ailleurs, en plus, on n'a pas eu de conversation avec Vrax. Comment ça se passe, la réunification des clans? Entre avoir les Galériens et les Krogan, je préfère avoir quand même les Krogan de mon côté. Les Krogan ont payé pour leurs erreurs. Le génophage a assez duré. 1476 ans, pour être tout à fait exact. Autrement dit, 1000 années de paix censées brutes. Assez ! Aussi. Qu'il mérite un remède ou non n'a aucune importance. Il faudrait des années pour le mettre au point. Si j'en crois mes sources, pas tant que ça. Quelle source ? Mylon, un chercheur galarien qui voulait faire sa BA, est venu sur ma planète faire des tests sur nos femelles. Je me souviens, ces méthodes étaient barbares. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que d'autres femelles ont survécu à ces tests. La Dalatras a donc envoyé une équipe de nettoyage qui les a faites prisonnières.
D'où tenez-vous cela? C'est de la pure invention. Ne m'insultez pas. Il s'agit de mon peuple. Elles sont insensibles aux gélophages, et vous allez les libérer. Thalatras, est-ce vrai? En quoi la fin du génophage va-t-elle profiter à mon peuple? Mais... débile! Thalatras, quoi, au secours. Oh là là. En tout cas, il y avait quelques femelles qui étaient toujours vivantes. D'accord. C'est cool. Mais... Faut pas capturer. Vous croyez être de taille à affronter seuls les moissonneurs? Parce que si vous ne nous aidez pas, c'est ce qui arrivera. Et je serai le dernier Turien amical que vous verrez. Qu'est-ce que vous préférez? Les femelles sont détenues dans une base du GSI sur Surkesh. Mais je vous préviens, commandant. Nous devrons assumer les conséquences pour les siècles à venir. Comparé à ce qui arrivera si les moissonneurs gagnent, c'est rien. Allons chercher les femelles. Pas question que vous posiez le pied sur Surkesh. Cela prendra du temps. Il faut se décider. En tant que spectre, Shepard pourra superviser l'échange. Allons-y. Je saurais m'en souvenir, commandant. Ce genre d'attitude risque de vous coûter des alliés. Des galériens. Avec votre nom, c'est la galère, quoi. Au secours. Lyra et Garrus. Exactement. Comment on va? On a 20 points. Beaucoup trop. Munitions perforantes. Augmente les dégâts contre la santé et les blindages de 6%. Tout le commando reçoit le pouvoir de munitions efficace à 50%. La crevance a dû être totale. Augmente les réserves de munitions de 30%. Bon. Augmente les dégâts contre la santé et les blindages de 10%. Ouh. Augmente le pouvoir de pénétration de la munition de 60%. Diminue l'efficacité des cibles blindées de 25%. Ah, c'est bien. Il a plus d'autres points. Yara, 24 points aussi. Ah, il a aussi des munitions à quelque chose. Ça va, ça va. Un peu mal partout, mais ça va. Augmente les dégâts contre la santé et les blindages de 7,50%. Augmente les dégâts contre les barrières de 15%. Tout le commando reçoit des munitions à déchirure efficaces à 50%. Ah, si on peut avoir les deux en même temps. J'avoue que... ça peut être stylé. Nous on a 4 points. C'est très bien. Nous serons bientôt sur la planète d'origine des Galariens. Ils ne voient pas souvent Krogan, alors on fait profil bas. On atterrit, on prend les femelles et on repart avant qu'ils changent d'avis. Je ne leur fais toujours pas confiance. Oh. Montrez-leur que vous avez changé. Un peu de diplomatie, Vrex. Comme ça, vous pourrez avoir ce que vous voulez. Ces femelles sont notre seul espoir de guérir le génophage. Notre dernier espoir. Nous les sauverons, Vrex. Ne vous inquiétez pas.
Merci, Lyara. Je suis content de vous avoir à mes côtés pour cette mission. Et ça vaut pour vous aussi, bien sûr, Garrus. Le pouvoir vous a ramolli, Vrex. Vous savez encore tenir une arme, au moins. Commandant, on approche de la base galarienne. Bien, reposez-vous. Alors, très stylé, quand même. Commandant, la tour de contrôle dit que nous n'avons pas l'autorisation d'atterrir. Dites-leur qu'on a l'autorisation de la Dalatras. Je savais qu'ils n'allaient pas tenir parole. Je vais leur apprendre à mentir à un Krogan, moi. Rex ! Fais pas le con ! Nous avons un atterrissage non autorisé ! Et qui vous a autorisé à prendre ma race en otage ? Les tue pas. Calme, calme, calme. Commandant Shepard, calmez votre compagnon. Nous venons tout juste d'être mis au courant pour le transfert. J'aimerais éviter un incident diplomatique. Nous aussi. Mais vous avez quelque chose d'important pour Vrex. Je suis prêt à mourir s'il le faut. Nous pouvons résoudre cet incident, mais votre compagnon doit rester sous bonne garde. Ouais. Il va rester sous ma garde. Permettez-nous d'insister. Vous tenez vraiment à déclencher une autre guerre ? Si ça tourne mal, je ne réponds plus de rien. J'ai pas passé. Merci de votre compréhension, commandant. La guerre est dans toutes les têtes, tout le monde est un peu nerveux. Attention au champ de confinement ! J'aurais aimé ne plus revoir un tel monstre. Comme vous pouvez le voir, cette base abrite des informations sensibles. Quel genre de travail faites-vous ici ? De tout. Tests évolutionnistes, simulations morphologiques, évaluation exogénétique. Rien n'est jamais simple avec les Galariens. La science a toujours été notre meilleure défense. Sur Kesha a survécu longtemps grâce aux recherches que nous menons. Ces recherches ont à voir avec des Krogan perdus ? Les femelles étaient mal en point quand nous les avons trouvées sur Tuchanka. Nous les avons rapatriées ici pour les soigner. Toute cette planète pue. J'aimerais les voir. Bien sûr, je dois d'abord vous obtenir une autorisation d'accès. Donnez-moi une minute, je vous rejoins devant l'ascenseur. Ce qui m'a fait le plus rigoler, c'est quand juste la petite navette qui veut se poser, il y avait des galariens qui étaient prêts à s'envoler aussi. Et tous les galas. Ah là là. Le ciel est bien trop beau. Une bonne couleur à la chute va donner l'éclat idéal. Reste tranquille, hein. Shepard, ça ne me plaît pas. C'est à moi d'y aller. Et si vous pouviez éviter de déclencher une nouvelle guerre ? Quoi ? Ça ? Oh, je brassais de l'air, c'est tout. Sinon, ils seraient déjà tous morts. Qui vous a dit que les femelles se trouvaient ici ? Désolé, Shepard, mais les murs ont des oreilles. Le foie de galarien cru, c'est mon plat préféré. De toute façon, c'est une chose que le courtier de l'ombre doit savoir depuis longtemps. Mais lui, je ne le connais pas. Ou elle, d'ailleurs. Le courtier doit avoir certainement mieux à faire. Comment il sait tout ça ? Vous m'avez dit que des moissonneurs avaient été aperçus sur Tuchanka. Trop fort. Oui, les clans Jorga et les Ravaneurs ont repéré des éclaireurs. Les moissonneurs préparent quelque chose. Tuchanka n'est peut-être qu'un gros caillou radioactif, mais c'est notre caillou. Personne ne nous le prendra. Voilà ce que j'ai toujours admiré chez vous, Vrex. Mon corps de rêve. Pas seulement. J'admire surtout votre détermination. Et elle va enfin être récompensée. Ouais. Qui aurait cru qu'un jour on se retrouverait ici tous les deux pour cette mission ?
Que savez-vous sur ces femelles? Elles ont servi de diversion pour empêcher les autres clans de voler les femelles fertiles. Mais les expériences de Mylon ont tout changé. Et ces sales Pidjak les ont enlevées. Vrex, vous n'êtes pas tendre avec vos femmes. L'idée vient des femelles elles-mêmes, vous savez. Nous avons tous fait des sacrifices pour survivre. C'est triste de vivre comme ça. Oui, et tout redeviendra normal une fois que nous aurons guéri le gélophage. Il n'arrive pas à reconnaître. Les Krogan sont prêts à combattre les moissonneurs? Depuis le jour où j'ai vu Sovereign, je me prépare à ce moment. Ça fait trop longtemps que les Krogan vendent leurs services au plus offrant. Il est temps pour nous de faire honneur à notre nom, en sauvant encore une fois la galaxie. Toujours le même couplet sur la guerre Rachni. On en reparlera quand il y aura une statue turienne en votre honneur à la citadelle, Garrus. Ça viendra peut-être plus vite que vous ne le pensez. Ça me fait plaisir de vous revoir, Vrex. Ouais, ce serait parfait si je pouvais croquer quelques galariens. Il reste impassible, les galariens, mais... Ah, je veux l'avoir dans mon groupe. Commandant Shepard, je suis le Major Kirae. On m'a prévenu de votre arrivée. Je me réjouis de vous revoir. Alors, vous avez été promu? En effet, essentiellement grâce à notre mission sur Virmir. À l'aide de votre « Maintenez cette position », vous avez sauvé mes hommes ce jour-là. C'est bon de voir un visage familier, Major. Garrus Vakarian, c'est toujours un plaisir. De même pour vous, Docteur Tsoni. Major. Décidément, ces moissonneurs ne cessent de nous réunir. Prochaine fois, il faudrait faire ça autour d'un verre. Comment avez-vous été affecté ici? C'est mon équipe qui a trouvé les femelles sur Tuchanka. Une horreur. J'ignore les intentions de Mylon, mais ses méthodes étaient abjectes. Les sujets étaient introuvables. Elle s'était échappée de son labo. Et si nous amenions la femelle Krogan ici? Nos scientifiques tiennent à protéger les femelles. Les fameux paradigmes évolutionnistes. Ce que je dis, c'est que quand les gens savent que vous avez un trésor à cacher, ils cherchent à vous le voler. Peu importe, j'ai des ordres. Et ce sera votre problème bien assez tôt. On ressent encore tous les deux les effets de Virmia. Quelle ironie du sort. Avoir détruit le remède au génophage qui est aujourd'hui le gage d'une alliance. Votre affrontement avec Urnod Vrex est une légende au GSI. Vous avez dû voir l'entrée de Vrex. Nos colonies à trois systèmes d'ici l'ont vu. Oui, et il est plutôt furieux à propos des mesures de sécurité. Désolé, mais je préfère ça à un Krogan qui erre dans la base un fusil à la main. Pensez aux dégâts qu'il causerait. Notre infirmerie serait dépassée. Oh, mais faut pas l'attaquer. Sécurité renforcée, des ennuis en perspective? La devise du GSI est de toujours s'attendre à des ennuis. Sinon, c'est prendre le risque d'en causer à autrui. Nos ennemis ont la même philosophie. Les Galariens sont prêts à affronter les moissonneurs? On m'a dit ce qu'ils faisaient à la Terre. Je crains qu'aucune espèce ne puisse se préparer à ça. Des rumeurs disent pourtant que vous êtes en train de construire une arme surpuissante. Ce qui explique cette histoire avec les Krogan. J'ai besoin du soutien des Turiens et eux des Krogan. Voilà pourquoi je ne suis pas devenu diplomate. Trop de poignées de main. Je laisse ça au Dalatras. Oh. C'est un plaisir de vous revoir. De même. Et commandant, quoi que les politiciens puissent décider, vous avez mon soutien pour reconquérir la Terre. Vous êtes sérieux? Prenez-le comme un gage de ma reconnaissance. Ce serait un honneur de combattre à nouveau à vos côtés. Bonne journée. Voilà! Un nouvel allié. Toujours des alliés un peu partout. Bon. Faisons un peu de diplomatie. Encore. Commandant, vous allez pouvoir voir les femelles. Bien, prenez cet ascenseur et quelqu'un viendra...
Qu'est-ce que quoi qu'est-ce donc qui se passe? Nos capteurs ont détecté une activité dans le périmètre. Vite, commandant, quelqu'un vous attendra en bas. Tous les spécimens sont là, monsieur. Shepard, vous tombez bien. Heureux de vous revoir. Oh, Mordine. Mordine. Bien vu. Je comprends l'étonnement. Ne pensez pas reprendre le travail un jour. Vous avez réintégré le GSI ? Consultant spécial. Pas le choix. Personne d'autre n'aurait fait l'affaire. Aidez les femelles Krogan. Informez le clan Urdnot. Encourager la libération des femelles. Alors c'est vous l'informateur de Vrex? Oui. Explication plus tard. Ces alertes sont anormales. La Krogan doit quitter la planète. Système immunitaire des femelles affaibli, effet secondaire du remède de Maelon. Celles-ci n'ont pas survécu. Et les recherches de Maelon, je croyais les avoir sauvées. Oui, mais... données incomplètes. Peut pas reconstruire le remède. Devrait pouvoir le synthétiser à partir de tissus organiques. N'ai pas pu les sauver. Vous avez fait tout votre possible, Mordine. Je suis arrivé trop tard. Le temps presse. Une survivante, immunisée au génophage, peut synthétiser un remède à partir de ces tissus. Elle est toujours ici? Oui, dernier espoir des Krogan. Si elle meurt, remède du génophage... problématique. Prenez garde. Devrait gagner sa confiance. Je suis le commandant Shepard, armée de l'Alliance. Vous êtes ici pour me tuer? Par la déesse, elle a vécu l'enfer. Je suis avec Urnot Vrex, nous allons vous faire sortir d'ici. Pourquoi? Qu'est-ce que je suis pour vous? Les Galariens vous ont maltraité? Ce sont mes sœurs que vous avez vues là-bas. Leur mort a été très douloureuse. Nous avons fait de notre mieux. Et à présent, je suis la dernière. Ce qui me rend dangereuse pour beaucoup de monde. Et vous, commandant Shepard, que faites-vous ici? Vous êtes le futur de la race Krogan. Je veux vous défendre. Alors j'espère que vous menez une armée. Je suis une armée à moi tout seul. Où en est la situation? Nos communications avec l'extérieur ont été coupées. Nous sommes isolés. Transférez les sauvegardes hors du site. Qu'est-ce qui se passe? Multiples vaisseaux en approche. Cerberus? Shepard, ici Vrex. Les troupes de Cerberus attaquent la base. Dépêchez-vous, faites sortir les femelles! Vrex, il n'y a qu'une seule survivante. C'est moins dangereux ici. Quoi? Vous voulez la laisser aux mains des Galariens? Pas de compromis. Si vous voulez cette alliance, faites-la sortir. Libérez la femelle. Nous partons. C'est impossible. Le protocole prévoit qu'en cas d'alerte... C'est noté. Merci. Maintenant, libérez la Krogan. Il se met sans le module pendant les procédures de quarantaine. Retrouvez-moi au prochain poste de contrôle. Cerberus est sans doute opposé au remède contre le génophage. Vous reverrez tout Chanka, je vous le promets. Retournez à l'ascenseur, Shepard. Des vaisseaux ennemis attaquent la zone d'atterrissage. T'as tout l'air d'un assaut aérien. Il y a un problème avec l'ascenseur. Il ne répond plus. Là. Par où passer? Essayez, commandant. Et merde. Reculez! Commandant Shepard, vous allez bien? Ouais, ça va, ça va. C'est du laboratoire, il y a une sortie de secours.
Je peux l'ouvrir d'ici. Hein? Shepard. Shepard, nous n'avons plus le temps. Il faut sortir d'ici. Oui, bah deux secondes, Lyra. Shepard, c'est Frex. J'ai pris la navette. Débrouillez-vous pour faire monter la femelle sur la plateforme d'atterrissage. Je vais tâcher de donner du fil à retordre. Nous essuyons des tirs ennemis depuis la base de sécurité numéro 4. Envoyez le renfort à cet emplacement et confirmez. Je suis sûr qu'on n'a pas tout vu. Empêchez-les de se réfugier dans le labo. Point spawn. Oui, il en reste. Shepard, Cerberus à proximité. Vite. Allié. Va-t'en. Attention, voilà le prochain courtier de l'ombre. J'ai rêvé. Oui, marmonnée de Sony. Très drôle. Ces vannes qui se font. J'arrive. Entrez là-dedans. Vite, Shepard. Le technicien est mort. Faites-nous passer le poste de contrôle. Ah, là-bas. Tout va bien. Champ de confinement intact. Réparation en cas de besoin. Concernant la Krogan, ne sait rien. Ça va, commandant. Femelle gardée secrète. Sûrement une taupe dans le GSI. Endoctrinée, peut-être. Sans alliance entre Krogan et Turien, victoire assurée pour les moissonneurs. On ne se laissera pas vaincre sans combattre. Shepard, attendez-nous au prochain poste de contrôle. Cerberus va sans doute... Vite, au poste de contrôle. Où est l'équipe Minerva? Ils ne répondent pas. Shepard, au boulot. Je vais tenter d'attirer leur feu sur moi. Fais. Accrochez-vous, Mordine. On vient vous chercher. C'est fait. Cerberus ne plaisante vraiment pas. Ils ne reculeront devant rien. Ah, j'ai hâte. Commandant, reculez. Ennemi droit devant. Y a pas un autre moyen de passer? On peut dire ça, oui. Pourquoi j'ai pas le même? Allez, commandant, je vous couvre! Unité Orion, vos arbres sont de rester en position et de plaquer l'accès au poste de contrôle suivant. À couvert. Cerberus a amélioré. D'avoir l'homme trouble au niveau de ma gâchette. Avancez, commandant! La force brute ne suffira pas cette fois-ci. On devrait peut-être les contourner. Il faut détruire cette tourelle! Je crois qu'on les a tous eus. Vite, au poste de contrôle. Cerberus n'a sûrement pas dit son dernier mot. Mmh.
Au-dessus ? Non, on peut pas passer. Allez-y, commandant ! Vous devez protéger la frogade ! Ouais, mais... je passe comment ? Prendre la fenêtre frogade, d'accord. Là c'est fermé. Aveugleman. Allez-y, commandant. Vous devez protéger la Krogan. What? Par là-bas, je sais pas. On monte. Ah, dommage. Mais. Ascenseur défaillant, Shepard. Besoin d'aide. Unité ambiante. Nous avons pris au piège la femelle au poste de contrôle numéro 2. Éliminez-la. Elle est à porte, dépêche-toi. Ennemi toujours là. Il nous tire dessus. Éliminez-les, qu'il laisse la Krogan tranquille. Scorpion. Bah voilà, tu l'as ton arme, Garrus. Excellent. Faites-nous passer. Attendez, une autre unité de... Cerberus. Ne les laissez pas s'approcher de la Krogan. Entendu. Affirmatif. Ne relâchez pas la pression. Tenez le coup. Tir soutenu. Champ de confinement pas conçu pour. Ne tiendra pas. Ce n'est pas votre problème, commandant. Vous ne me connaissez pas. Et alors ? Non, mais j'aimerais bien. Tenez bon. Combien de postes de contrôle ? Plus qu'un. Zone d'atterrissage. Espère que notre Vrex sera là. Vrex est incapable de résister à une femelle fertile. Il sera là. On se retrouve en haut. Oh, des bébés Vrex. On a trouvé la Krogan. Je me demande quelle tête ils auront. C'est
été le dernier. Foutons le camp d'ici. Shepard, ramenez vos fesses ici. Je ne peux pas tourner en rond éternellement. La femelle se dirige vers la zone d'atterrissage. On approche. Shepard, ils nous ont trouvés et nous attaquent. Oula. Le jeu. Donnez votre autorisation. Module ensuite transféré vers la zone de chargement. On va vous partir d'ici. Shepard, attention. Ennemi en approche. Un Atlas. Je m'en occupe. Protégez la Krogan, Shepard. Elle est vulnérable. Le bouclier de confinement fait... Bon, oh, on en a déjà éliminé plus d'un. Ce truc, évite. Cerberus n'a jamais respecté les règles. Alors, Shepard, vous êtes rouillé. Butez-moi cette... Il est pas mort. On a réussi. Bah voilà. Ce bon vieux Vrex, quel poète. Ouais, mais attention, il reste des soldats à faire. Je parle. Je crois que vous avez réussi. Vu d'ici, la zone paraît nettoyée. Je rentre. Yeah. Sauvez la Krogan. Plein de bébés Rex maintenant. Je commençais à m'inquiéter, vous savez. Tirons-nous d'ici. On va vous sortir d'ici. Je peux me débrouiller seul, Vrex. Les femmes. Non. Cerberus, qu'est-ce que vous faites ici ? Me dis pas que c'est l'autre là qui a contacté Cerberus. Commandant, la rumeur dit que vous êtes en train de négocier un traité entre Krogan et Turien. Si je convainc les Krogan d'aller sur Palaven, les Turiens m'envoient des renforts. Quel rapport avec Cerberus ? Je ne sais pas. L'homme trouble prépare à coup fourré.
Alors tenez-les à distance. Comprenez que ce traité serait une illustre victoire pour l'Alliance. On a besoin de toute l'aide possible. Et l'appareil protéen, ça avance ? La R&D de l'Alliance a débuté la construction. L'équipe a nommé le projet Creuset. Nous mettons tous ceux qui savent tenir un marteau sur le projet. Ça promet d'être l'entreprise la plus ambitieuse de l'histoire de l'humanité. On va réussir. Je ne dis pas que ce ne sera pas un défi. Mais nos chercheurs me disent que la conception est élégante, ambitieuse, mais étrangement simple aussi. On peut le faire, Shepard. Vous en êtes capable. N'en doutez pas. Entendu. Bien, la quête terminée. Et il n'y a pas de risque que les moissonneurs les attaquent. Déjà ? Et deux. Vrex, vous avez la femelle. Un remède pour le reste de votre peuple peut attendre. Ce n'était pas prévu. Mais Palaven a besoin de vos renforts, ça ne peut pas attendre. Tous les Krogan reçoivent le remède. Ou il n'y a pas d'alliance. Nordin, combien de temps pour finir le remède ? Besoin de synthétiser antigène de base pour femelle. Demande aussi tissu Krogan mâle en bonne santé. Besoin d'échantillons. Il est droit devant vous. Acceptable. Besoin de vous à bord du Normandie pour prélèvement. Ah. J'espère que la bouffe est meilleure qu'avant. Un remède qui marche sur tous les Krogan, ça me semble beaucoup demandé, Mordin. Vous pouvez faire ça ? Bien sûr. Comme pour projet de modification du génophage. Doit contrer mes modifications cette fois. Pas aussi simple que pauvre ADN qui bloque point de raccordement. Besoin d'empêcher fermeture du système nerveux redondant et d'ajuster niveau des neurotransmetteurs. Ok. Vais trouver remède, Shepard ? Pas d'inquiétude. Alors au boulot, et faites vite. Comme toujours. Serai à l'infirmerie si vous voulez parler plus. Eve doit passer test. Eve. Vrai nom femelle inconnu. Normandie, vaisseau humain. Ipso facto, mythologie humaine m'a semblé de circonstance. Conseil, parlez avec elle. Nouvelle perspective. Étonnant chez Krogan. Il y a autre chose ? Bah voilà. Un léger souci concernant un vaisseau dont nous avons perdu la trace. Je vous écoute. Je préférerais en parler en privé. Les problèmes turiens n'arriveront pas à la cheville des miens. Allez-y. Certains de mes hommes ont disparu. Allons parler des détails autre part. Je vous retrouve dans le centre de commandement. Soyez prêts à parler. Oh mais c'est gamin. JPP. Bon, dis-moi. Commandant. Vous dites qu'un de vos vaisseaux a disparu ? Pour tout vous dire, il s'est écrasé sur Tuchanka. Je ne pouvais rien dire devant le Krogan. Ils sont coincés par une troupe de moissonneurs qui explore la planète. Qu'est-ce qu'ils font là-bas ? Désolé, c'est confidentiel. Mais il est crucial qu'ils survivent. Et terminent leur mission d'origine. C'est une question de paix galactique. Je ferai mon possible. Merci pour votre aide et votre compréhension. La Dalatras galarienne craignait la réaction des Krogan une fois guérie. Qu'en pensez-vous ? La priorité est d'arrêter les moissonneurs, mais je comprends ces doutes. La lune où vous m'avez trouvé. C'est là que nous avons livré notre dernière bataille contre les Krogan. C'est dire leur cruauté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Les Krogan ont commencé par s'armer d'astéroïdes qu'ils ont dirigés sur nos colonies. Nous n'avions pas le choix. C'était le génophage ou la mort.
Les intentions des Krogan, après cette guerre, sont donc à prendre au sérieux. Mais je préfère un allié reconnaissant à un ennemi fâché. Ça doit pas être facile pour vous de demander l'aide des Krogan. Nous ne pouvons pas laisser les erreurs du passé gâcher notre avenir. Nos deux espèces aussi étaient ennemies à l'époque. La guerre du premier contact, comme vous l'appelez. J'y étais à esquiver les tirs de votre flotte. Regardez-nous maintenant. Nous travaillons ensemble à bord d'un vaisseau Turio-humain. C'est vrai. C'est tout. Bien sûr, commandant. Et Vrax, où est-il? Il est là? Il s'est caché? Et comment? Il est quand même gros. Ah bah. C'était un sacré spectacle sur Surkesh, comme au bon vieux temps, Shepard. Heureusement que j'étais là pour vous sauver la peau. C'est moi qui étais la cible des balles. Et c'est moi qui vous ai aidé à les éviter. Ah ah. Une de vos unités a disparu? Elle est allée inspecter le relais Rakhni, où des incidents avaient été signalés. Des Rakhni? J'étais sûr que vous réagiriez. J'ai un gros service à vous demander. Me dites pas qu'ils sont revenus. Tout ce que je sais, c'est qu'on a perdu la trace de nos éclaireurs. La compagnie Aralak, ma meilleure unité, est prête à intervenir. À votre signal, elle vous retrouvera là-bas. Je vais voir ce que je peux faire. Ne perdez pas de temps. Sur Surkesh, la femelle Krogan avait l'air de plutôt bien se défendre. Nos femelles ne manquent pas de courage. Pour les mâles, une démonstration de force suffit. Mais les femelles aiment en parler. Et puis, pensez. Et puis, en parler encore. Les femmes ont de bonnes idées, Vrex. Vous devriez écouter. Je veux bien, mais c'est qu'elles en ont tellement. Parfois, je fais semblant d'écouter. Disons que les Krogan ne sont pas dénués de tempérament. Comment est-ce que c'est possible, les Rakhni? L'espèce était pratiquement éteinte. Pour éviter la mort, la dernière reine a promis de disparaître totalement. Je sais, j'étais là. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Ce sont peut-être les Rakhni ou peut-être pas, mais si ce sont eux, on est mal. S'ils déboulent de nulle part, vous savez ce que nous risquons tous. Il faut les arrêter. Ouais. À moins qu'ils reviennent pour nous aider. Je mets quelques doutes. Tant qu'elles sont pas endoctrinées. Quelle est la situation sur Tuchanka? On m'informe constamment de nouvelles troupes de moissonneurs. Quelque chose se prépare. Je ne les laisserai pas prendre Tuchanka. Pas quand on est sur le point de vaincre le génophage. Mon peuple en a assez bavé comme ça. Le génophage vaincu, vous ferez quoi? Après avoir vaincu les moissonneurs, les Krogan voudront sûrement régler leur compte avec les Turiens et les Galariens. Je m'y opposerai. Nous ne prendrons pas cette voie. Ce sera différent cette fois. Bien. Beaucoup seront soulagés d'entendre ça. Les gens ont peur que l'histoire se répète. Ils savent qu'on gagnerait sûrement cette fois. Mais la guerre n'a jamais rien apporté d'autre que la misère. Il est temps de penser à reconstruire. C'est tout pour le moment. On se remet au travail. Au plaisir. Attention, sinon je vous extermine tous. J'aime bien ce que vous avez fait du Normandie. Avant, j'en avais marre de passer mon temps dans la soute. Je n'ai toujours pas de fenêtre comme Lyara. Mais j'imagine que je n'embrasse pas aussi bien. Sans commentaire. Ouais. Ça m'avait manqué. J'aimerais casser des crânes avec vous. Mais le devoir m'appelle. Si le Galarien dit que mon ADN est important, je ne vais pas le contredire. Mais le pire. Bon, deux nouvelles quêtes. Ah. Mais si, Les Galariens ne protègent pas mieux leur base sur leur propre planète. Oh, elles étaient bien protégées, mais Cerberus...
C'est lui là qui voulait rester dans la soute dans le 1. D'ailleurs, Grunt. Des nouvelles ou. Les Krogan et les Turiens devraient se ranger derrière la. Bonne idée d'inviter les Krogan. On aurait pu aussi inviter les Butariens. Ou pourquoi pas les Vorcha. Oh. Notre seule chance de vaincre les moissonneurs, c'est de forger des alliances. Ok, mais quand même, les Krogan. Un bon vieux voyage dans le temps, voilà ce qu'il nous faut pour régler le problème. Enfin, c'est bien que Mordine soit revenu. Un savant fou dans l'équipe, c'est toujours un bonus. Vous avez bien fait de passer. J'ai des questions à propos du génophage. Bienvenue. Mordine m'a envoyé un message très bien tourné. Il se souvient de nos discussions sur l'équivalent galarien des transhumains. Si je pouvais, je t'arrêterais tout de suite. Les transhumains voient certaines capacités cérébrales, comme la mémoire, augmentées ou remplacées par des implants cybernétiques. Les définitions légales varient d'une planète à l'autre. Les galariens acceptent ce concept. Chez les humains, cela fait polémique. Mes implants font de moi un transhumain ? Ça expliquerait tout. Quoi ? Désolé, je plaisantais. Vous êtes parfaitement humain. Cerberus vous a entièrement reconstruit, mais vos fonctions cérébrales sont organiques. Ne refais jamais ça. Commandant ? Bonjour, Shepard. Je suis plus rassuré. Bon, vu qu'on a fait la grosse mission. Est-ce que Garrus et les autres... Commandant, des rapports signalent une activité de Cerberus sur toute Shanka. Je l'ai signalé sur la carte galactique. D'accord. Commandant, contente de vous revoir. Vous vous intégrez bien, Trenor ? Je commence à me sentir utile. C'était un gros travail d'intégrer ces données pour le sommet de guerre. Comment vont les systèmes ? Bon, je suis contente d'avoir fait les tests. L'officier Trenor s'est montré très utile. Nous lui devons la précision des données de notre centre de commandement. Merci, Idea. C'est pas évident de s'adapter. Au labo, on récupérait au maximum. C'était un vrai bazar. Ici, on a l'impression d'être dans un placard. On se sent à l'étroit dans un vaisseau en mission. Mais vous vous y ferez. Oh, ça ne me dérange pas. Je n'ai pas de problème de confort. C'est comme un rêve. Au labo, c'était le système D, parce qu'on n'avait pas de budget. Mais là... Idea, Ariak et Tech utilisent un algorithme propriétaire intelligent qui pourrait traiter nos données longue portée. On peut se le procurer ? Oui. Analyse et mise à jour du programme. L'algorithme va améliorer l'analyse des données de combat stratégique à longue portée de 3%. Impressionnant. Si j'ai accès au meilleur matériel, je n'aurai aucun problème à vivre dans un placard. 3%, mais c'est toujours ça. Alors, il s'est mis où le Mordine ? Ah non, ça c'est les salles de repos. Là, il n'y a toujours rien. Ah, il est là-bas. Alors, Liara, vous cherchez toujours toutes vos réponses. Il marchera, Vrex. Il faut juste achever la construction du creuset. Ceci dit, j'aimerais savoir comment vous en avez entendu parler. C'était facile. C'est une chance que son emplacement soit plus secret que son existence. Et je suis sûre que vous saurez vous taire, tous les deux. Votre discrétion est proverbiale. Ouais, muet comme une tombe. Merci d'être venu me voir. Merci d'être venu me voir. Ok. Shepard, on m'a dit que les femelles Krogan craquaient pour les balafrés. Oui, il paraît. J'ai quelques cicatrices. J'espère que personne ne compte sur un mariage arrangé pour sceller l'accord. Mais j'avoue que j'admire Eve. Pensez à ce qu'elle a enduré. Elle porte le génophage. Et c'est le dernier espoir de son peuple par-dessus le marché. Imaginez la pression. Elle en a du courage. J'espère qu'on sera à la hauteur.
J'espère aussi. Calibre bien. Femelle Krogan trouve cicatrice séduisante. Garrus, loyal, relativement intelligent, un peu agressif. Presque comme un Krogan. Pour la troisième fois, docteur, je ne suis pas intéressé. Ah, Shepard, on venait juste de... Tout va bien? Ça va, Vrex. Détendez-vous. On n'est jamais trop prudent ou trop méfiant avec les docteurs galariens. Celui-là est différent. Vraiment? C'est quoi ça? Mais oui, il est cool. Simple test sanguin. Quel genre? Genre qui met fin au génophage. Shepard, pitié. Distraction contre-productive. Affecte aussi confort du patient. Vrex, c'était votre indique, vous pouvez lui faire confiance. L'esprit des Galariens, c'est comme un labyrinthe. On ne sait jamais quand ils vous tendent un piège. Piège? Ève libre grâce à moi. Sans moi, n'auriez jamais entendu parler d'elle. C'était avant. Elle est libre maintenant. Et si elle souffre, je le ressens. Comprends. Mais ma patiente, ma responsabilité. Son bien-être est prioritaire. Refuse qu'elle soit mise en danger par qui que ce soit. C'est entendu, docteur. Prenez soin d'elle. Nos femelles ont assez enduré. N'oubliez pas, toujours besoin d'un échantillon de tissu. Je reviendrai. Peur des aiguilles. Phobie commune. Ou des docteurs galariens. Maintenant, au travail. Préfère femelle dans les espèces. Et avec catalyseur. Allô, ma docteur. Dégâts neurologiques sévères. Tant pis. De quoi parlez-vous? Merci de m'avoir sauvé la vie, commandant. Je ne pensais pas que les Krogan avaient encore des alliés. Nous vous devons beaucoup, même si tout le monde paraît l'avoir oublié. Comment leur en vouloir? Nos actions ont rarement été amicales. Nous sommes amis désormais. Mais je ne connais même pas votre nom. J'ai renoncé à mon nom le jour de mon initiation. J'appartiens à mes sœurs désormais. Un jour, peut-être, quand tout sera terminé, je vous le dirai. Je ne savais pas que vous aviez des femelles chamanes. La sagesse s'acquiert dans la douleur, et nous avons beaucoup souffert. Certaines d'entre nous ont surmonté leur désespoir et choisi de préserver nos coutumes. Nous protégeons notre culture, nos connaissances et nos secrets, afin qu'un jour, notre peuple renaisse de ses cendres. Vous avez été initié comment? On vous enferme dans une grotte avec 7 jours de nourriture. Au 8e jour, vous mourrez de faim. Et qu'est-ce que ça prouve? Votre volonté. Chaque acolyte doit faire un choix. Creuser la roche à main nue pour sortir, ou se laisser mourir de faim. Et extrême. Comment avez-vous survécu? J'ai d'abord creusé dans le mauvais sens. J'étais dans le noir total, avec pour unique compagnie les battements de mon cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé ça. Un simple cristal qui m'a permis de creuser. Prenez-le, afin de ne pas oublier que même aux heures les plus sombres, il faut garder espoir. Merci. Plutôt brutal comme initiation. Brutal, oui, mais nécessaire. Qui a connu les ténèbres apprécie d'autant plus la lumière. Que pensez-vous de Vrex? Malgré le fait qu'il saute sur tout ce qui bouge, c'est sans doute le meilleur atout du peuple Krogan. Mais ne lui répétez pas ça. Sa tête est déjà assez grosse comme ça. Littéralement. Vrex est un meneur. Je sais qu'il pense avant tout au bien de son peuple, mais les autres clans ne sont pas du même avis. Pourquoi les autres clans s'opposent-ils à Vrex? C'est contre-productif. Les mâles ne coopèrent pas. Ils sont naturellement égoïstes et pensent uniquement à leur bien-être et à leur survie. Mais Vrex est différent. Lui, c'est un mutant. Ça, vous pouvez le lui dire. Vous pensez que Vrex va se venger pour le génophage? Certains clans l'y pousseront. J'espère qu'il résistera.
Il sait que le cycle de violence doit s'arrêter pour que les Krogan puissent enfin se faire entendre au niveau galactique. Malheureusement, il est bien seul. Si tous les clans s'opposent à lui, il ne pourra rien faire. Oh, on l'aidera. J'aimerais en savoir plus sur l'impact du génophage sur la société Krogan. Certaines femelles n'ont pas supporté la honte de la stérilité. Elles ont préféré s'enfuir dans le désert et attendre qu'un dévoreur mette fin à leur tourment. Et vous, vous y avez pensé ? Oui. Après ma première fausse couche. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? Quand j'ai vu mon enfant mort, ma vie a pris un nouveau sens. Nos vies entières sont conditionnées par le génophage. Rien d'autre ne compte. Notre seule raison d'exister, c'est l'espoir que le jour suivant sera différent, que quelque chose va changer. Qu'est-ce qui va changer une fois que le génophage sera guéri ? Notre race trouvera un nouvel équilibre. Les femelles retrouveront leur dignité et ne seront plus de simples pions entre les mains de mâles assoiffés de pouvoir. La plupart d'entre eux sont prêts à tuer à la moindre contrariété. Que pourraient-ils faire d'autre ? Le génophage a fait d'eux des monstres sanguinaires, prêts à tout pour justifier leur existence et laver leur soi-disant honneur. Comment vous traite Mordine ? Mieux que les mâles, Krogan. Ce n'est pas un galarien comme les autres. Non, non, non ! La redondance des organes retarde la métaphase. Modification impossible, télomère endommagé, vieillissement prématuré. C'est normal. Lui aussi, il souffre. Il m'a parlé de son travail sur le génophage. Je devrais le détester, mais je crois qu'il a changé depuis qu'il nous a vus, moi et mes sœurs. Les rejetons à Sari, Vortia sont allergiques au lait, et la tati, mais je suis venu fou. Ah oui, qui nous avait fait un petit chant. Pourquoi avoir participé aux expériences de Mylon ? Je me suis porté volontaire quand j'ai appris que Mylon cherchait un remède pour le clan Werelock. C'est pas un clan rival ? Nos rivalités sont une invention des mâles. Par leur faute, toute Shanka est un champ de ruines depuis 1000 ans. Les femelles doivent retrouver leur place dans notre société. Mylon était notre meilleur espoir. Et si c'était à refaire ? Je recommencerai, sans hésiter. Une simple flamme suffit à dissiper les ténèbres. Je suis navré que les autres femelles n'aient pas survécu. Oui, je sais. La petite Kern s'est accrochée jusqu'au bout. Elle a rejoint le néant, libérée du poids de la malédiction. Elle sourit maintenant aux enfants de toute Shanka. Je sais que son esprit veillera sur mon premier-né. Ok, est devenu, c'est devenu très spirituel. J'ai vu le laboratoire de Mylon. On aurait dit une salle de torture. Nous l'avons compris trop tard. Ses intentions étaient bonnes, mais ses méthodes étaient barbares. Nous avons réussi à nous enfuir et une équipe galarienne nous a retrouvés. Nous étions faibles et malades. C'est bon. Merci de m'avoir répondu. C'était un plaisir, commandant. J'ai rencontré peu d'humains dans ma vie. Vous êtes un peuple intéressant. Merci. Vous aussi. Ah, le lore de Mordine, Shepard, maintenant. Analyse de sang terminée. Indique tension importante du système d'Ev. Les données de Mylon sont denses et bien détaillées. Me suis servi des notes pour améliorer son état. Comment va-t-elle ? Pas de fièvre pour l'instant. Rythme cardiaque élevé. Peut-être dû au stress. Appétit normal, besoin probable d'autres couvertures. Quelque chose de doux. Préfère la laisser se rétablir avant de synthétiser remède. Ma recommandation médicale. Mon peuple n'a pas le temps pour ça. Son opinion un peu différente. Vous tenez à elle ? Ma patiente, ma responsabilité. Les trouver à la base GSI. 3 docteurs blessés en voulant la maîtriser. Défait ses liens. N'ai pas résisté quand elle m'a attrapé. Promis de l'aider. Elle a dit, s'il vous plaît. Oh. Alors, on a bien fait de conserver les données. En effet. Serait bien plus difficile de soigner Eve, sinon. Peut-être impossible. Et toutes ces expériences qu'on a vues sur toute Shanka ? Monstrueuses, scandaleuses, mais avaient un but. Victime pas morte pour rien. Même si c'est fait, c'est malheureux. Alors la fin justifie les moyens ? Pas mes moyens. Mais vous cautionnez ce genre d'expérience en utilisant les données de Mylon ? Pas d'importance.
Il y aura toujours scientifiques pour se livrer à expérience malhonnête. Peut rien y faire. Mais peut aider Eve. Peut guérir Génophage. Ne peut pas ignorer données indispensables à sa survie à cause d'expériences malhonnêtes. Vous savez pourquoi elle est immunisée ? Génophage visait production hormonale durant grossesse. Projet de modification a utilisé même modalité. Son immunité totalement différente. Glandes concernées obsolètes, comme appendice humain. Autres glandes ont muté pour produire bonnes hormones et permettre naissance viable. Explique aussi sa fragilité. Changement de glande imparfait. Problème de santé. Vous croyez que ça peut marcher sur tous les Krogan ? Oui. Utiliserait tissu d'Eve pour produire mutagène et modifier fonction des glandes pour toute l'espèce. Doit aussi améliorer mutagène et accorder production hormonale, sinon risque de maladie chronique pour Krogan. Vous avez toujours défendu votre travail sur le génophage. Pourquoi changer d'avis ? Jamais changer d'avis. Génophage était bonne décision à l'époque. Nouvelles circonstances requièrent correction. Et ces circonstances sont ? Invasion des moissonneurs. Sans soutien Krogan, Turien condamné. Krogan besoin de menaces unifiées, exutoires pour agression. Symbiose coopérative. Rien d'autre ? Pas d'enjeu personnel ? Me fait vieux, Shepard. Me reste peu de temps. Mais meilleur candidat pour le projet. Peu de scientifiques galariens intéressés par Génophage. Aucun avec mon expertise. Devait être moi. Personne d'autre n'aurait fait l'affaire ? Non. Enjeu trop grand pour scientifiques sans expérience. Pas leur faute. Mon travail d'arranger les choses. De prouver que je peux. Merci pour l'info, Mordine. Merci, Shepard. Content d'être revenu. Vous comptez rester quand tout sera terminé ? Jusqu'à ce que le moissonneur parte, au moins. Après, pas sûr. Oh. Eu impact sur la galaxie, modifié Génophage, guéri Génophage, travaillé contre récolteur, décision, erreur. J'irai peut-être au soleil, m'asseoir sur une plage, regarder océan, ramasser coquillages. Vous deviendriez fou en moins d'une heure. Pourrait faire test sur coquillage. Sa place est dans un labo. Mais sinon, elle est où ma docteur? De base, elle est là, mais il l'a virée. Ou on l'a laissée sur la citadelle. On l'a oubliée. Possible. Ouais, faut parler à tout le monde. Ça dure loin. Eh, hey, ce n'est qu'un témoignage d'opinion. Si ça ne vous intéresse pas, ne le téléchargez pas. Vous dites qu'on n'a pas besoin de Terra Nova. Une colonie de perdus, 5 de sauvés. Le compte est vite fait. Vous savez ce que le commandant a fait pour nous ? La colonie ? Oui, c'était à la une de ce qu'on appelle les infos. Vous croyez que vous pouvez monter dans ce vaisseau, partager nos repas et puis diffuser un truc pareil ? Vous vous foutez de nous ? Eh, ce n'est qu'un témoignage d'opinion. Si ça ne vous intéresse pas, ne le téléchargez pas. Vous dites qu'on n'a pas besoin de Terra Nova. Une colonie de perdus, 5 de sauvés. Laissez tomber ou quittez le vaisseau, Allers. C'est exactement ce que je craignais. Merci, commandant. Qu'est-ce que vous décidez, Allers ? Comme vous dites, ce n'est que votre opinion, n'est-ce pas ? Je la retire. Merci. Sinon... Commandant ? On doit parler, commandant ? Pas maintenant, Allers. Faites-moi signe quand vous pourrez. Après, je sais pas c'est quoi exactement, mais... Oula. Pourquoi mon peuple vous intéresse-t-il tant que ça, Sari ? Les protéins restent... Les Galariens se léchaient les yeux. Voyez le chemin qu'ils ont parcouru. Le Galarien Mordine voulait me disséquer. J'ai accepté à la seule condition qu'il me batte d'abord au combat. Il a répondu « problématique ». Et il est parti. Je ne le comprends pas. Ah là là. Pas très bien, Mordine. Dis donc, t'as vu le nouveau corps d'Idea ? Les mecs, tous les mêmes. Attends, c'est un vrai bijou technologique. Des polymères élastiques en titane silicone. Des cellules à phase harmonique, tu te rends compte ? Mm-hmm. Et puis si jamais elle rentre dans un mur, elle a des airbags intégrés. C'est génial. Ah, je le savais. C'est bon d'être... Parfois j'ai l'impression que cette grille va me rendre dingue.
Full pervers. Ah là là. Alors, ça bosse. Shepard, encore merci d'être venu au mur des réfugiés. Je me sens mieux. Tout est clair. J'espère avoir... Oh, modèle réduit. Oh oui. Oh. C'est hyper merveilleux. Je me demande ce que Cerberus manigançait sur Surgesh. Les quartiers du capitaine, c'est bon. On peut faire un petit coucou à notre hamster de l'espace. Squeak. On a pas de mail ? Si. Ah tiens, de la position. Ok, commandant, j'ai été ravi de vous revoir sur... Il est avec nous. Super. Un fond pour moi. Perron. Eh. Ah oui, c'est le Drell. Ça faisait longtemps. C'est bon de savoir que vous avez pu quitter la Terre et que Lyra est avec vous. Quitter son vieux vaisseau était la meilleure chose à faire. Vous ne savez même pas à quel point je n'en pouvais plus de cette cabine. Nanana. Nanana. T'es sûr? Scientifique Asari Rana est morte en détention? Elle s'est vraisemblablement suicidée suite à son arrestation pour le meurtre de plusieurs soldats Asari. Selon les enquêteurs, Tandop Tis disait entendre des voix, certainement dues à son endoctrinement. D'accord. Étrange, bizarre. J'ai pas retrouvé Madoc. C'est quelque peu embêtant. Alors. Il n'y a pas des choses. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a à faire? On peut enquêter sur les éclaireurs disparus. Extraction des survivants turiens. Enquêter sur la présence de Cerberus. Ah, ah. Ça c'était avec l'Arachni. Après Cerberus, tout ça c'est un peu relou. Après, il y a toujours la citadelle avec potentiel Miranda. L'Arachni. En vrai, peuvent toujours nous aider. J'espère. On les a sauvés. Tout. Hier. Oh, on a toujours que 5 persos. Ouais, mais ça travaille. On va changer un peu.
Oui, une grosse précision aussi. Mais... dégâts en plus. Oh. Un pistolet. Ah, ça c'est le nouveau. Gros dégâts. Non, pas de modification, c'est bon. Voilà. 12 points. Munitions incendiaires. Augmente vos bonus aux dégâts contre la santé et le blindage de 10%. Enflamme les ennemis avec une explosion intermittente qui inflige 140 points de dégâts dans un rayon de 2,50 mètres. Intéressant. On va prendre la petite explosion. Voilà. Force et dégâts accrus de 30%. C'est très bien. Augmente les dégâts contre la santé de 12,5. Augmente les dégâts contre les barrières de 25%. Et là, augmente les dégâts contre les cibles en lévitation. Ouais, non, on va prendre celui-là. Et idéa. Petite matrice défensive. Diminue les dégâts reçus de 5%, augmente la charge du bouclier de 30% quand l'armure est purgée. Protection. Ah là, on est bon. Quelque chose de neuf, Shepard ? Notre appui nous attend au point de largage. La compagnie Aralak, des commandos Krogan. C'est exact, c'est une unité expérimentée. Rendu célèbre par la libération d'une colonie contrôlée par des pirates butariens. Tant mieux. À part ça, aucune nouvelle d'une équipe d'éclaireurs Krogan depuis qu'ils ont franchi le relais Rakhni. Le contact avec les éclaireurs a pu être rompu pour de nombreuses raisons. Pour l'instant, on n'en sait pas plus. Aucune activité Rakhni n'a été signalée. Les rumeurs elles-mêmes sont troublantes. Ça fait des années que vous avez libéré la dernière reine Rakhni contre sa promesse de disparaître. Son espèce est presque éteinte. Elle ne la risquerait pas dans une guerre. Soyez simplement prêt à tout. Ouais, la navette vient d'arriver. Dépêchez-vous, équipe 2. Si vous voyez un truc, prévenez-moi. Grunt ? Shepard ! Shepard ! Qu'est-ce que vous faites là ? Je pourrais vous poser la même question. Je croyais que ces crétins vous avaient jeté en prison. Si. Ils m'ont bouclé à cause des butariens. Pour amadouer le conseil pendant qu'ils préparaient la guerre. Mais la situation a changé. Ouais, c'est ça. Des problèmes. C'est un peu pour ça que je me retrouve ici. Mes gars n'ont peur de rien. Casse-cou, mais très efficace. Ça me rappelle quelqu'un, Grunt. Mais comment vous avez fait pour monter en grade aussi vite ? Ça n'a pas été facile. Quand Vrex a fondé la compagnie Aralak, il a eu besoin d'un chef qui incarnait le futur de notre espèce. Grâce à vous,
J'ai réussi le rite d'initiation sur Tuchanka et j'ai pu intégrer le clan Urdnot. Je suis devenu leur égal. Et comme personne n'est plus fort que moi, j'ai été choisi pour mener la compagnie au combat. Je parie que votre promotion n'a pas dû faire plaisir à tout le monde. Oui, j'ai dû casser quelques têtes pour gagner ma place et me faire respecter. Vous étiez un bel emmerdeur, Grunt, mais aussi un sacré soldat. Avec vous, je crois qu'on a une chance de s'en sortir. Hey, c'est un plaisir de me battre à vos côtés, Shepard. Des Rakhni, j'ai du mal à y croire. Ça paraît dingue. C'est pareil. Les Rakhni, retrouver l'ennemi de mes ancêtres, oh, c'est une chance. On ne sait pas si les Rakhni sont impliqués ou non. Nous cherchons les éclaireurs. Je n'ai vu aucun signe d'activité pendant notre approche. C'est vrai. Et cet endroit pue comme une vieille blessure. Nos scans montrent que les tunnels convergent tous vers un point central. Avec un peu de chance, c'est un nid. Un nid serait idéal. On en finirait pour de bon. Hé hey. Compagnie Arlac, en avant! Prenez ce qu'il vous faut, Shepard. Retrouvez-moi au campement des éclaireurs. Ça me va. Prenez le nécessaire et on se tire. Rex puis Grunt. Oh. Je suis un homme des plus heureux. Grâce à sa croissance en cuve et à son expérience, Grunt s'en est bien tiré. Un peu sa maman. C'est vrai. Ah, modification d'armes, non, on s'en fiche. On est prêt. Ouais, commandant, on vous suit. Prêt à partir. Parlez-moi. C'est quoi ça? Arlac, l'œil de la colère, à l'image du soleil de Tuchanka. Vrex nous a choisis parmi divers clans pour afficher l'unité Krogan. Nous sommes là car nous sommes les plus forts. Petit commando d'élite. Ok, en avant. Enfin! Je suis juste derrière vous, Shepard. Plus on le connaît bien, le chef, donc... Ralph. Je vais le faire. Vous allez bien? Aïe. Shepard! Vous êtes indemne? Évidemment. Tout le monde va bien. Gardez le contact radio. Bien reçu! Pas des Rakhni endoctrinés. Pas des Rakhni endoctrinés. Je le vois! Grunt. J'ai le corps d'un éclaireur ici, mort depuis quelques jours. Ah, s'il a toujours son arme, prenez-la. Il en aura plus besoin. En flamme. Yeah. Une toile d'araignée ? On dirait. On peut facilement être séparés. Alors restez groupés. Oui. Soyez tous prêts à agir. C'est rouge. Une espèce de module devant. Ouais, c'est quoi exactement? C'est quoi ça? Shepard! Attention, vous marchez. Ah ouais, je crame. Moi, on est sûr. Wow, wow, wow. Des moissonneurs, on dirait de la technologie. Fuck.
bien ce que je... ce que je me dis. Regardez les câbles, Shepard. C'est de la technologie de l'intérieur. Peut-être. Du mal à cramer. Encore un autre. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ou des guettes ? Hunt, on a de la compagnie ! Pas du tout. Shepard ! Cramé ! Du mur là-bas ! Ce sont des racines ? Bien vu. Grunt, présente je l'ai confirmée. Modifiée et très dangereuse. Enfin quelque chose à tuer. Toujours rien ici. Un Krogan est tombé dans un gouffre. C'est moche. Leur nid doit être par ici. Le nombre élevé de ces dimensionnaires confirme que nous sommes bien sur le bon chemin. Les moissonneurs étaient là, c'est sûr. Ouais, si on trouvait pourquoi. Ah mais fallait se barrer loin. Alors de la merde comme ça les... Une barrière, Shepard. Bien reçu. Ça doit pouvoir s'ouvrir. C'est quoi ça? Ça va péter. C'est une sorte de serrure. Non. Je crois qu'on va devoir trouver une autre issue. Allez. C'était quoi ce bruit, Shepard? Ça avait l'air sérieux. Un affaissement. On n'a rien. Tant mieux. J'aurais pas aimé devoir vous extraire de là. Vous heurtez ma sensibilité, Grunt. Ouais, ouais. Voyez, je suis bien plus résistant que vous. Je sais ce qui est arrivé aux éclaireurs. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Ils ont été attaqués. Le chef les a envoyés porter des armes au fin fond de la caverne. Ils savaient que l'équipe suivante aurait besoin d'un coup de main. Ils sont morts en s'assurant que nous pourrions atteindre la salle centrale. Venez. Au moins comme ça, on est sûr. Et c'est la suite? Et là-bas? Et quoi là-bas? Mais il y a des œufs de partout. Attends, mais il y avait trop d'endroits.
Il y a un dernier message. Il demande qu'on le donne à une Asari de la citadelle nommée Ereba. Oh, il y avait un croche. Et c'est ça que je cherchais. Le Firestorm. Encore un hall, tu parles. Ça sent les emmerdes. C'est quoi ce bruit? Bien. Restez à couvert. Ne les laissez pas vous aligner. Ça, toi, t'es pas mort. Meurs. On doit plus être loin, Shepard. Ces salopards étaient coriaces. Attention ! Des pertes ? Vous en faites pas. Un Krogan en colère est d'autant plus efficace. Se reproduisent dans des environnements très toxiques. Mais cette atmosphère est respirable. Dur de savoir à quel point les racines ont été transformées par les moissonneurs. Je pense que j'ai l'air d'une armée là-dedans. Elles se reproduisent très vite. C'est celui qui a mis le talent. Jusqu'à ce qu'elles soient trop puissantes. Je suis d'accord. Et ils envoient toutes leurs forces contre nous pour qu'on n'atteigne pas le nez. Mais crame. On est bloqué, ils nous envahissent. Faites vite, Shepard. Va se dépêcher. Redonne-moi ça, merci. Je me dépêche. Merci, Shepard.
C'était pas la toile qui nous bloquait, mais cette barrière. Oui, on a été bloqués aussi. Les Rachnis sont repliés, mais l'odeur du sang va les faire revenir. Ils devraient revenir bientôt pour nous achever. Très bientôt. On s'approche, Grunt. Ces barrières protégeaient ce qui se cache dans ce passage. Partez. On va se retrancher ici et tuer tout ce qui bouge. Bonne chance. J'ai pas besoin de chance. J'ai mon flingue. Les Krogan, vous êtes prêts ? Quel est mieux ? Un bon flingue ou un peu de chance ? Doucement. Oh non, un petit passage. C'est quoi ça ? Grunt, on a localisé le noyau central. Parfait. On vous couvre, Shepard. Bougez ! Et on est coincé. Super. Pas passé ? Et quoi derrière ? Qu'est-ce qui va se passer ? Attends, wait. Ah. Force de résistance. On y est. Là-bas aussi, il y a des choses. Il faut franchir ces barrières. Il doit y avoir d'autres modules d'alimentation de l'autre côté. Là-bas. Il ne baisse pas les bras. Restez concentrés. Je croyais que ça va me faire vraiment quelque chose. Ils ne sont pas effrayés bien longtemps. Tuez-les. Bien reçu.
lance. Par la déesse. La note aliénante a cessé. Vous êtes quoi ? La dernière reine. Nous écoutons les enfants. Ils sont muets, vides. Les machines viennent et les mènent à la guerre. Ils meurent seuls, silencieux, loin. Les moissonneurs vous ont fait ça ? Oui. La fausse note des machines est partout. Ah mais, faut arrêter les arachnies. Hein. Chaque fois que je vous sauve les miches, au bout d'un moment, défendez-vous. Bon, les moissonneurs, un peu galère. Mais... Je vous ai épargné sur Noveria. Vous aviez promis de vous faire oublier. Les arachnies étaient supposées disparaître. Nous nous souvenons. Nous avons tenu parole. Nous sommes partis au-delà du relais. Nous avions un nouveau nid, de beaux enfants, l'harmonie. Mais les machines sont venues. Elles ont entendu notre chant. Les fausses notes nous ont noyés. Ils ne peuvent plus vous nuire. Oui, nous comprenons. Pouvez-vous toujours les sentir ? Peuvent-ils vous influencer ? Nous entendons les machines, mais elles ne nous contrôlent pas. Brisez le dernier lien pour nous libérer. Quoi ? Les enfants reviennent. Ils nous tueront tous. Libérez-nous ! Ça commence à bouger par ici, et sacrément! Bien reçu, Grunt. Êtes-vous capable de combattre les moissonneurs? Nous haïssons les machines. Nous battrons pour les larves à venir. Libérez-nous! Elle est bien amochée. Il lui faut du temps pour fuir. Je parle, le temps presse. Si on reste, la compagnie a la crève, c'est clair. Ah. Ah mais si on l'aide à fuir... On va devoir rester, eux ils vont mourir. Après si elle meurt, bon c'était un problème. De base les Rachni étaient un problème. On les a sauvés. Ils sont barrés. Et oh là là, enfin, première fois qu'on l'a retrouvé, oh, on s'est fait manipuler par Cerberus, sauvez-nous. Et là, la même chose. Mais j'ai pas envie que Grunty crève. Ce sera embêtant. Ça causera potentiellement problème avec les Krogan. The Crux. Ils ont tout le monde a le temps de mourir en fait. Mais je serais d'avis de la laisser mourir. Comme ça au moins. Nos soucis. Mais s'il reste encore des Rachni moissonneurs, va être galère.
Il reste juste un truc à péter. On fait péter et elle les contrôle tous. Non ? Le choix va se faire après une petite pause. Et oui. Ah, le suspense est insoutenable.